Chers bien-aimés, frères et sœurs et amis, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est un plaisir pour moi d'entrer là au matin avec une petite réflexion sur parole, bon Dieu. Jeudi, c'est vendredi 26 mars 2021. Dernier jour, une petite réflexion sur parole, bon Dieu, pour semaine. Non? Moi, c'est serviteur, pasteur Abraham Kalis, qui toujours sert vous chaque matin. Du lundi au vendredi, avec une petite réflexion sur parole, bon Dieu. Jeudi, une petite réflexion, menez-nous dans Matthieu chapitre 21, versets 10 et 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. La rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est un événement qui marque la vie de tout chrétien. Parce que c'est grâce à l'événement ça, je dis, nous avons la vie éternelle. Selon ça que nous jeunes écrit dans Matthieu chapitre 17, Jésus dit, il faut que m'entrer à Jérusalem. À Jérusalem, c'est là que je vais souffrir. Pour que je sois capable de tuer moi. Ça, bon Dieu, te voyait me faire pour être capable d'accomplir. Cependant, dans l'histoire là, moi ouais que lorsque Jésus sur route là, t'es gon grande foule qui t'a suivi et on t'a crié Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Ça veut dire on t'a adoré bon Dieu pour Jésus-Christ, le roi. Le fils de David, esprit de la prophétie, poussez-yo pour yo crier Hosanna au fils de David, pour acclamer Jésus, pour recevoir Jésus comme un roi. Parce que selon ça qui écrit dans Jérémie chapitre 33 verset 17, bon Dieu dit, pas jamais manquer un roi. Ce trône David là. Et si bien que 2 rois, chapitre 2, verset 4. Bien aimé, sa bouche, bon Dieu dit, mais elle a une capacité pour l'accomplir. Il faut que le peuple là te crie, parce que prophétie est arrivée dans l'œil pour l'accomplir. De même que je dis à moi-même, Aver. Lorsque jour est arrivé pour nous recevoir Jésus comme sauveur nous, c'est pas un petit événement petit que le t'ai. Tout en dedans nous t'est tremblé. Ou même qui accepte Jésus comme sauveur, je dis à ou capable de témoigner pour dire que comment ça t'ai pour jour ça. Jésus qui te doit régner sous la vie ou le t'a entré. C'est pas un événement petit. Gien pile nan nous c'est crier, nous te crier, nous pas de carreter, nous sans nous pas de crier. Gien pile nan nous qui pas suspendi béni soit l'Éternel alléluia. Parce que wa t'es entré dans la vie nous. Ou même jodia qui pour faire expérience ça. Jésus voulait faire expérience ça avec elle. Selon Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui-même avec moi. Jésus voulait fort faire expérience ça avec elle. Quitter l'entrée dans la vie. Oh. Et l'entrée dans la vie, oh, qu'on paquette changement pour le faire. Tout comme à Jérusalem, dans le verset 12, lorsque l'entrée dans Jérusalem, l'arrivée dans le temple là, tout désordre qui était dans le temple là, les mettait au dehors. Les mettait marchandises au dehors. Les mettait marchandises au dehors. Les chavirait table l'argent. Et le déclarait, maison ça, c'est la maison de prière. De même que je dis, Jésus déclarait, qu'en nous, c'est le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19-20. Mais bien aimé dans le Seigneur,
La rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est un gros événement. Un événement qui marque la vie de nous tous. À nous songer événement ça. Et à nous songer le jour que Jésus est entré dans la vie nous personnellement. Et nous allons continuer à bon Dieu gloire. Nous allons continuer à bon Dieu honneur que lui-même seul méritait en tant que roi des rois dans la vie nous. En tant que seigneur des seigneurs qui a prégné sur toute la vie nous. Que bon Dieu bénisse et nous souhaitons passer un très bon week-end. Sous la puissante main de Dieu, pas oublier nous quittons dans deux plans, mais papa, bon Dieu. Ça ne faut pas passer mal. Bon Dieu bénisse.